J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe entre nous, Christina. Bon. Oh là là, dites donc, on va être jaloux parce que sachant qu'ils vont se retrouver en vacances. Ah oui, oui, oui. Au Brésil. Elle m'emmène au Brésil, Christina. Oh là là. Vraiment, vous allez partir au Brésil ensemble, la beauté de mon pays. De... Voilà. J'avais ça ou aller avec Jean-Phi dans le Nord, j'ai choisi. Ah, j'allais te proposer Sergi Pontoise. Ah ouais, c'est vous imitez quoi là, les cariocas? Non mais ça c'est pas, c'est plutôt les Mexicains. Et les gens, toi, connais? Ah, fais voir, tu fais bien, vas-y. Elle est pas du tout brésilienne en fait. Vous avez le temps d'annuler encore. Je crois que tu vas aller en Il y a Péroni qui prépare les capis. Prépare les capis, Péroni, vas-y. Les capis, Péroni. Il a engagé au grosse tête. Un Brésilien coquin. C'est Laurent Riquet. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter Cordulo. Oh, ah, le bah, rire, ça donne envie, hein. Oh, mais le rire qu'elle a, mais c'est terrible. Bah, on est joyeux au Brésil, c'est on est expressif. Mais les gens te connaissent au Brésil? Tu es connue au Brésil? Non, je ne suis pas connue au Brésil. C'est pas vrai, bah moi j'y vais plus alors. Ouais. Je pensais avoir La France m'a ouvert le bras ouvert le bras. Et j'adore. C'est pas là, ouvert le bras? La France m'a ouvert le bras. La France m'a ouvert le bras ouvert en plus. Hein. Et la phrase, elle était pas bonne. Et la France m'a ouvert le bras ouvert. Alors que sur la plage, on se retrouvera autour de bras zéro, n'est-ce pas? Oh. Bah nous, on va s'amuser. Elle a pas compris ta vanne.